À votre avis, ce que je préfère en hiver, c'est le ski, les chocolats, le fromage fondu, les feux de cheminée? Rien de tel, en effet, que de se remplir la panse quand dehors, il fait froid et que tout est gris. Et oui, aujourd'hui, je vous parle de la façon dont trois espèces adaptent leur régime alimentaire aux saisons. L'ours brun est omnivore, du latin omni, qui veut dire tout, et vore, qui veut dire manger. Omnivore, qui mange de tout. Je sais que vous adorez mes petites leçons d'étymologie. Bref, l'ours brun se nourrit d'herbes, d'insectes, de rongeurs, de mousse, de racines, et en été, il ajoute à ce menu noix, fruits et tubercules. Juste avant l'hiver, il s'empiffre de larves pour faire le plein de protéines avant d'aller hiverner. Le loup arctique, lui, on n'en a pas déjà parlé dans l'épisode précédent ? Le loup arctique, je disais, est carnivore. Mais il est surtout opportuniste, c'est-à-dire qu'il se nourrit de ce qu'il trouve facilement. En gros, des animaux plus faibles que les autres. Lièvre malade, très jeune caribou, lemming blessé, vieux bœuf musqué. C'est aussi un charognard. Il se nourrit de cadavres, et on le comprend. Car après des semaines de disette, en raison du climat extrêmement rude dans lequel il vit, il faut bien manger. C'est une question de survie. D'ailleurs, lorsqu'il trouve une proie, il la consomme dans sa totalité. Peau, poils et os, pas de petits restes dans son assiette. Et les alligators, ils mangent quoi en hiver ? Rien. Absolument rien. Comme certains ectothermes, c'est-à-dire les animaux dont la température du corps dépend des sources de chaleur extérieures. L'alligator fait la diète pendant sa période de dormance. Explication. Les premiers froids arrivent. L'eau dans laquelle il vit refroidit, son organisme ralentit, il ne bouge plus trop, voire pas du tout. Pas possible de digérer, pas besoin de manger, pour schématiser. Moi je suis fromage au vore. Parfois, chocolat vore, mais plus globalement, mes délicieux vores. Vive les winter bodies !